Je continue le développement concernant l'examen d'affaires par le groupe spécial. Donc, il existe une obligation de coopération sur tous les membres qui devraient répondre dans les moindres délais et de manière complète à toute demande de renseignements présentée par un groupe spécial qui jugerait ces renseignements nécessaires et appropriés. Je vous renvoie vers l'article 7 du mémorandum d'accord. Le groupe spécial se réunit à huis clos, seul, sans les parties, dans l'affaire Coton-Applante et deux autres affaires. Aucune partie aux différends, et même les parties intéressées, c'est-à-dire ni les États-Unis, ni le Brésil, ni les tierces parties, pays africains, Chine, etc., ne peuvent assister aux réunions que lorsque le groupe spécial les y invite. Avant la première réunion de fond du groupe spécial avec les parties, ces dernières doivent remettre leur exposé écrit dans lequel elles présentent les faits de la cause et leurs arguments respectifs. Les réfutations formelles sont par ailleurs présentées lors d'une deuxième réunion de fond du groupe spécial. Avant cette réunion, les parties doivent les présenter par écrit. La partie mise en cause a donc le droit de prendre la parole avant la partie plaignante lors de la réunion qui se déroule à huis clos. Le principe du contradictoire apparaît ainsi comme la pierre angulaire de la procédure devant le groupe spécial. Dans un souci de totale transparence et de crédibilité de la procédure, chaque partie doit mettre à la disposition de l'autre ses exposés et ses observations. On peut relever un autre fait marquant de la procédure devant les groupes spéciaux, qui réside dans sa durée. Je rappelle qu'ici, les délais stricts encadrent la procédure. C'est toujours dans un souci d'efficacité et de crédibilité. D'ailleurs, ici, je vous renvoie vers le point 12 des procédures de travail de l'appendice 3, qui propose même un calendrier pour le groupe spécial. Ainsi, la partie plaignante doit-elle faire parvenir ses premiers exposés écrits dans les 3 à 6 semaines qui suivent l'établissement du groupe spécial. La partie en cause a alors 2 à 3 semaines pour faire parvenir les siens. Au final, si on veut faire un peu le compte, et afin de rendre la procédure plus efficace, le délai dans lequel le groupe spécial procédera à son examen, ça c'est l'article 7, depuis la date à laquelle sa composition et son mandat auront été arrêtés jusqu'à celle à laquelle le rapport final sera remis aux parties aux différends, ne va jamais dépasser en règle générale 6 mois. Et la résolution des différends dans ce délai de principe de 6 mois est sans nul doute un des éléments qui confère la crédibilité du système. La procédure devant les groupes spéciaux va emprunter, elle va énormément emprunter au règlement judiciaire. Alors, ça nous rappelle le processus de règlement judiciaire à plusieurs niveaux. D'abord par les principes fondamentaux sur lesquels elle repose. Elle nous rappelle le règlement judiciaire de par les droits qu'elle garantit. Elle nous rappelle le règlement judiciaire de par la procédure devant les groupes spéciaux qui semblent déjà conférer au mécanisme de règlement des différends de l'OMC un caractère juridictionnel. Ici, la mission des groupes spéciaux, même si elle n'est pas écrite dans le texte du mémorandum d'accord, elle s'apparente a priori à celle du juge, à savoir établir le fait et dire le droit. Par contre, à la différence du juge, qui prononce un jugement ou un arrêt investi de la force obligatoire et de l'autorité de la chose jugée, ici, le groupe spécial ne produit pas d'arrêt, il ne produit pas de jugement, mais il produit un rapport. Et c'est un rapport qui ne rassemble que ces constatations. Ce n'est qu'une simple recommandation qui est adressée à l'ORD. Et à partir de ce rapport, il y a 3 possibilités qui sont envisageables. Donc là, ce rapport, c'est juste une recommandation, ce n'est pas un jugement. Alors, la première possibilité, elle est rare, voire quasiment impossible, elle consiste en le rejet du rapport
par l'ORD, ça n'a jamais existé. Ce qui ne peut jamais avoir lieu que par consensus négatif. L'article 7, le mémorandum d'accord, article 7. C'est-à-dire que pour que la recommandation soit rejetée, le rapport, le rejet du rapport par l'ORD, il doit se faire par consensus négatif. C'est-à-dire qu'il faudrait que tous les États ne soient pas d'accord avec ce rapport, y compris la partie en qui le rapport est favorable et en faveur. Donc, de toute façon, ce cas ne s'est jamais produit et il ne se produira quasiment jamais parce qu'il est impossible d'imaginer que même la partie qui a été avantagée par la recommandation puisse rejeter le rapport. Alors, pour pouvoir rejeter, il faut que tous les États soient d'accord pour le rejet. C'est-à-dire n'acceptent pas la recommandation. La deuxième possibilité est celle de l'adoption du rapport par l'ORD dans les 60 jours suivant la date de sa distribution aux membres. Et donc, ces derniers doivent se conformer à cette recommandation. Et enfin, une troisième possibilité consiste en un appel, la possibilité de faire appel. C'est une nouveauté qui est instituée par la refonte du système de 1995. Alors, justement, la procédure d'appel, pour l'affaire, pardon, Coton à Plante, effectivement, ça a été le Brésil, enfin, les États-Unis ont demandé, ont émis la procédure, ils ont demandé de faire appel. Et donc, la procédure d'appel, je rappelle ici que cette procédure, c'est une innovation. Cette innovation est l'une des plus originales du mécanisme du règlement des différends de l'OMC, institué par les accords de Marrakech. Les parties à un différend soumis à un groupe spécial et seulement peuvent interjeter appel devant l'organe d'appel dans les 60 jours suivant la date de distribution du rapport aux membres de l'OMC. La dénomination donnée à cet organe peut surprendre dans la mesure où l'appel tend à faire réformer ou annuler par la juridiction du second degré un jugement rendu par une juridiction du premier degré. Ici, l'article 17 du mémorandum d'accord s'inscrit dans cette perspective en précisant que l'organe d'appel pourra confirmer, modifier ou infirmer les constatations et les consultations juridiques du groupe spécial. Donc, les pouvoirs dévolus à l'organe d'appel, comme aux cours d'appel d'ailleurs dans des juridictions, dans des tribunaux, dans les systèmes juridiques nationaux, ne semble pas très éloigné. Cependant, la comparaison atteint rapidement sa limite, car dans la pratique juridictionnelle des systèmes nationaux, l'effet dévolutif de l'appel est de remettre en cause la question de la chose jugée par la juridiction du premier degré, afin qu'il soit de nouveau statué aussi bien en fait qu'en droit. Dans le cadre de l'OMC, ce n'est pas le cas. Je vous renvoie vers l'article 17 qui circonscrit l'appel. Regardez l'article 17, il circonscrit l'appel aux questions de droit couvertes par le rapport du groupe spécial et aux interprétations du droit données par celui-ci. L'organe d'appel est donc érigé en un juge du droit, censurant la violation des règles de droit commises par le groupe spécial. Donc sa fonction est ainsi plus proche d'une cour de cassation, telle qu'elle peut exister dans certains systèmes juridiques nationaux, par exemple dans le cas du système français. Alors maintenant, cet organe d'appel, ce qu'il faut savoir, c'est que cet organe d'appel, il est mis en place par l'ORD. Dans l'affaire Coton à Plante, c'est l'ORD à qui est revenue la tâche initiale de mettre en place l'organe d'appel. Alors, l'organe d'appel est composé de 7 personnes, dont 3 sont appelées à siéger en section pour chaque affaire. L'organe d'appel est, à la différence des groupes spéciaux, un organe permanent. Le mandat de ses membres est de 4 ans, renouvelable une fois.
Sa composition devrait être dans l'ensemble représentative de l'OMC et comprendre des personnes sans attache avec leur administration nationale, des personnes d'autorité reconnue, des personnes ayant fait preuve de leur connaissance du droit, des personnes ayant fait preuve de leur connaissance du commerce international et des questions relevant des accords issus de l'acte final de Marrakech. L'indépendance et la compétence notoire constituent par conséquent les deux caractéristiques principales exigées des membres de l'organe d'appel. Les compétences maintenant de l'organe d'appel sont limitées uniquement aux questions de droit, couvertes par le rapport du groupe spécial, et aux interprétations données par celui-ci, soulevées par les parties au litige. Alors ici, il y a deux remarques. Les constatations de fait se rattachant au fond du différend, ou bien les thèses des parties à ce sujet contenues dans le rapport du groupe spécial initial, ne peuvent en principe être soumises à leur, ne peuvent pas être soumises à l'organe d'appel, à l'examen de l'organe d'appel. Je répète, l'organe d'appel est limité uniquement aux questions de droit et non pas aux questions de fait, à l'examen. Aux constatations de fait. Deuxièmement, l'organe d'appel, comme les groupes spéciaux, peut soulever toute question ou tout argument juridique non soulevé par les parties. Par contre, il ne peut discuter ou répondre à une question qui ne ressort pas de son mandat. De plus, lorsque l'organe d'appel infirme la constatation d'un groupe spécial sur un point de droit, il dispose du pouvoir d'examiner un point et statuer sur un point qui n'a pas été expressément abordé par le groupe spécial, afin de compléter l'analyse juridique et de régler le différend entre les parties. Pour autant qu'il est possible de les faire en s'appuyant sur les constatations de fait du groupe spécial et ou les faits non contestés figurant au dossier du groupe spécial. L'organe d'appel dispose également d'une entière liberté dans l'appréciation du droit, puisqu'il peut confirmer, modifier ou infirmer les constatations et les conclusions juridiques du groupe spécial. Une telle position est susceptible de poser problème dans le cadre des recours sans violation, lorsque les mesures pourtant licites causent néanmoins un préjudice. Devant une telle plainte sans violation, alors, je m'explique ici. Il y a des cas où il y a des recours sans violation, c'est-à-dire il y a des mesures qui sont légales, qui sont prévues par les accords de Marrakech, qui sont autorisées, il y a des comportements qui sont autorisés, mais qui néanmoins, même si autorisés par les mémorandums d'accord, vont porter préjudice. Alors il existe des plaintes dans ce sens-là. Lorsque, devant une telle plainte, sans violation, c'est-à-dire une plainte, le plaignant va se plaindre, l'État plutôt visé par la plainte n'a pas violé les traités de Marrakech, mémorandum d'accord. Devant cette plainte, les recommandations et conclusions des groupes spéciaux ne concerneront pas des droits et obligations juridiques, mais vont reposer sur des considérations d'équité, ou bien sur des considérations d'opportunité, qui peuvent difficilement constituer matière à un appel exclusivement juridique. Les décisions de l'organe d'appel sont généralement prises par consensus. Toutefois, dans les cas où il ne sera pas possible d'arriver à une décision par consensus, la décision sur la question à l'examen sera prise à la majorité des voix. Dans tous les cas, les membres de l'organe d'appel, comme ceux des groupes spéciaux, ont la possibilité d'émettre des opinions particulières ou même séparées. Le terme dissidente n'est volontairement pas employé, à la condition que celle-ci reste anonyme, comme le précise l'article 17 du mémorandum d'accord. Je vous le cite. Les avis exprimés dans le rapport de l'organe d'appel par les personnes faisant partie de cet organe seront anonymes. Ceci s'est d'ores et déjà produit dans deux affaires.
Alors là, je vous renvoie vers l'affaire Communauté européenne, les mesures affectant l'amiante et les produits en contenant, plainte du Canada en 2001. Et l'affaire coton à plantes, l'opinion séparée dans l'affaire des États-Unis, subvention concernant le coton à plantes, plainte du Brésil en 2005. Je vous renvoie faire la lecture de ces deux cas. De ces deux cas. Donc, il est primordial que vous vous. Pour comprendre, il est primordial de lire ces affaires-là. Et d'ailleurs, il y aura des exercices par la suite sur ces cas pratiques. Donc, une fois rédigées les conclusions de l'organe d'appel, une fois rédigées les conclusions de l'organe d'appel doivent être adoptées par l'ORD. Elles doivent être acceptées sans condition par les parties aux différends. Le rejet, encore une fois, du rapport de l'organe d'appel n'est possible, comme pour le rapport du groupe spécial, encore une fois, que par consensus négatif dans les 30 jours qui suivent sa distribution aux membres. C'est-à-dire, il faudrait, pour rejeter la décision de l'organe d'appel, il faudrait que tous les États rejettent, y compris l'État en faveur de qui le rapport est favorable. Et les rapports sont ici encore adoptés de manière quasi automatique. Concernant le fonctionnement de l'organe d'appel, l'organe d'appel suit des procédures de travail qu'il fixe lui-même, conformément aux dispositions de l'article 17 du mémorandum d'accord. Je vous le cite. Je vous cite un extrait de l'article 17. L'organe d'appel, en consultation avec le président de l'ORT et le directeur général, élaborera des procédures de travail qui seront communiquées aux membres pour leur information. Donc ici, ces règles ont été adoptées pour la première fois le 15 février 1996. Elles ont été modifiées par la suite à plusieurs reprises. À la lumière de ces textes et des articles 17, alinéa 10 et 17, alinéa 11, nous constatons que leurs caractéristiques sont similaires à celles applicables devant les groupes spéciaux. Alors là aussi, la procédure, elle est comme dans le cas des groupes spéciaux, elle est également encadrée par des délais stricts. Elle respecte aussi le principe du contradictoire. Elle reste confidentielle. Mais elle doit aussi ne pas dépasser 60 jours, à moins de circonstances exceptionnelles qui permettront de prolonger la procédure à 30 jours. Dans les 10 jours qui suivent le dépôt de la déclaration d'appel, l'appelant doit déposer une communication écrite auprès du secrétariat ainsi qu'à l'autre partie et aux tierces parties. Cette communication contient un exposé précis des motifs de l'appel et des dispositions des accords, visées ainsi que la nature exacte de la décision demandée. L'intimé dispose alors d'un délai de 25 jours pour répondre, sa réponse devant contenir un exposé précis des motifs d'opposition aux allégations de l'appelant. Toute autre partie aux différends peut se joindre dans les 15 jours qui suivent la déclaration d'appel. Elles doivent se joindre à l'appel initial ou bien former un appel sur la base d'autres erreurs alléguées dans les questions de droit couvertes par le rapport du groupe spécial et dans les interprétations données par celui-ci. Après l'introduction de l'appel, chaque section établira un plan de travail devant contenir les dates précises pour le dépôt des documents, un calendrier pour l'examen, une date pour l'audience. Là encore, les délais sont très stricts. Alors, comme pour les groupes spéciaux, l'organe d'appel, ce n'est pas un juge, donc il ne prononce pas un arrêt. Il présente un rapport à l'ORD. Celui-ci contient ces constatations, c'est-à-dire ce sont des recommandations qui doivent, en cas d'adoption, être mises en œuvre. Et je rappelle, elles ne peuvent être rejetées que par un consensus négatif. Donc maintenant, comment sont mises en œuvre les recommandations de l'ORD? Lorsqu'un membre entame une procédure de règlement des différends et que cette procédure aboutit à une recommandation de l'ORD, donc, il est légitime que l'État plaignant s'attende au retrait des mesures qui réduisent ses avantages.
Il appartient donc aux membres condamnés d'adopter une position conforme aux obligations auxquelles il a souscrit dans un délai raisonnable. Alors, pour le cas de l'affaire Cotan-Apland, la recommandation de l'ORD, c'était que les États-Unis devaient cesser les subventions prévues dans la Farm Bill américaine, la politique agricole américaine, de cesser les subventions par rapport aux cotonculteurs américains. Je rappelle ici que un membre peut choisir délibérément, de façon volontaire, de ne pas mettre en œuvre les recommandations adressées par l'ORD. C'est ce qui s'est passé. Les États-Unis ont choisi délibérément de ne pas cesser les subventions que l'État accorde aux cotonculteurs américains. Je rappelle ici que les États-Unis avaient expliqué qu'ils ne pouvaient pas cesser les subventions parce que la Farmer Bill, ce qu'ils appellent la loi sur l'agriculture, a été adoptée et qu'il fallait attendre le changement il fallait attendre la Farmer Bill prochaine pour réduire les subventions ou les cesser. Et donc cesser l'annulation des avantages des autres pays producteurs du coton. Donc, dans cette hypothèse, l'article 22 du mémorandum d'accord donne la possibilité de compenser cette absence de mise en œuvre par le recours à des mesures correctives, dans le souci de revenir à l'équilibre des concessions négociées. Ces mesures, en fait, ne sont que la contrepartie commerciale et non financière de l'avantage qui a été annulé ou compromis. Et ils n'ont pas de caractère punitif. Je rappelle ici, il ne s'agit pas de sanctionner les États-Unis dans la recommandation, mais en cas de choix délibéré de ne pas cesser les subventions, donc l'ORD donne la possibilité au Brésil de compenser le maintien des subventions aux cotonculteurs américains par le recours à des mesures, à des contre-mesures correctives, pour essayer de rééquilibrer les avantages perdus par les cotonculteurs brésiliens sur le commerce du coton international, sur le marché du commerce, marché commercial cotonculteur mondial. Donc, ce rééquilibrage n'est pas une sanction punitive et ce n'est pas aussi une compensation financière. Il ne s'agit pas de réparer, il s'agit de prendre des mesures pour rééquilibrer le commerce cotonnier mondial. Et donc on appelle ça le recours, ce mécanisme s'appelle le recours, la possibilité, donc les recommandations de l'ORD permettent, dans ce cas de figure, au Brésil, à la partie qui a gagné en fait, pour qui la recommandation est en faveur de qui s'adresse la recommandation, notre cas de figure ici c'est le Brésil. Donc ce mécanisme autorise le recours aux contre-mesures, c'est-à-dire qu'il reconnaît un droit de légitime défense commerciale. Pour quelle raison? C'est dans le but de rétablir l'équilibre rompu par le membre condamné, mais aussi récalcitrant, non conformiste, qui refuse de se conformer au droit commercial international. Sauf qu'ici, ces mesures, le recours à ces contre-mesures, ce qu'on appelle des mesures de rétorsion commerciale ou la suspension des concessions, ne se fait pas dans l'anarchie. Elle repose au contraire sur une autorisation qui doit être expressément donnée par l'ORD. Et je vais vous expliquer comment s'établissent ces contre-mesures. Déjà, avant de vous expliquer dans notre cas de figure, l'affaire Cotan-Apland, je voudrais juste m'arrêter sur l'article 22 du mémorandum d'accord qui prévoit deux hypothèses pour remédier au défaut de mise en œuvre des recommandations. Il y a d'abord l'octroi d'une compensation volontaire, mutuellement acceptable et acceptée au profit du membre plaignant, ou à défaut l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations à l'égard du membre incriminé. On va commencer par la compensation.
Alors, si maintenant le membre condamné à retirer ses mesures incriminées ne se conforme pas, dans un délai raisonnable, à la décision de l'ORD, il doit alors se prêter à des négociations avec le membre lésé afin de trouver, pour trouver une compensation mutuellement acceptable et compatible avec les accords visés. La compensation est alors volontaire, elle est fondée sur un accord entre les parties. Elle doit également n'être que temporaire, dans l'attente du retrait définitif de la mesure incriminée, car une telle compensation ne saurait remplacer l'obligation de mettre en œuvre les recommandations de l'ORD. La pratique montre que le recours à cette compensation volontaire reste rare, dans la mesure où les délais sont très courts. Les parties, en fait, ils ont 20 jours pour achever leurs négociations. Les seules conditions sont que la compensation soit conforme aux accords visés et accordés sur la base du principe de la nation la plus favorisée. Ces conditions posent quelques difficultés dans la mesure où le mémorandum d'accord ne fixe aucune règle relative à la valeur, la nature et l'objet de la compensation. En fait, ce ne sera qu'en lançant la procédure d'arbitrage de l'article 22 que les parties pourront connaître le niveau de l'annulation ou de la réduction de l'avantage qui est le principal élément qui devrait leur permettre de négocier. Là, je vais m'arrêter sur l'affaire Cotton-Aplante. Effectivement, quand les États-Unis n'ont pas cessé les subventions suite à n'ont pas cessé les subventions. Relative aux cotonculteurs, donc on continuait indépendamment du rapport de l'ORD, on continuait à manquer aux normes conventionnelles des accords de Marrakech de 1994. L'ORD a autorisé le Brésil à prendre des contre-mesures à hauteur des dommages provoqués par le comportement des États-Unis de subventionner leurs cotonculteurs. Donc, dans ces contre-mesures, la Chambre de commerce brésilienne, la CEMAX, avait établi une liste de 10 produits américains qui seraient taxés à l'entrée sur le sol brésilien. Alors, il se trouve que ces 10 produits américains à taxer étaient des produits qui n'émanaient pas forcément du monde agricole, du secteur agricole, qui allaient émaner d'autres secteurs tels que l'industrie, etc. Ce qui va provoquer au sein du politique américain une guerre des lobbies, et donc les autres secteurs n'étaient pas prêts à payer les frais des subventions accordées par le politique aux cotonculteurs nationaux. Et donc c'est lobby contre lobby, le montage du lobby contre lobby, qui c'était une pression sous forme de contre-mesure qui va pousser les États-Unis à demander au Brésil, selon l'article 22, qui lui autorise de rentrer et de lancer une procédure d'arbitrage pour connaître le. Donc, je rappelle juste que ces contre-mesures présentées par cette taxation établie par le Brésil, elles ont été autorisées par l'ORD pour pousser l'État à réintégrer l'auteur du manquement, à réintégrer les accords de Marrakech. Et effectivement, les États-Unis vont demander au Brésil ils vont lancer une procédure d'arbitrage demandant au Brésil de rentrer dans une session d'arbitrage. Et lors de cette séance d'arbitrage, cette séance d'arbitrage va permettre aux États-Unis de Au cours de cette séance d'arbitrage, les parties vont connaître le niveau de l'annulation, la réduction de l'avantage,
Et autour de cela, ils vont négocier des mesures de compensation. Et dans ce cadre, les États-Unis vont présenter une liste de compensation sans annulation des subventions. Étant donné que le montant des dégâts provoqués par les subventions de l'État américain à ses cotonculteurs a été déterminé, donc ce montant va être converti en un ensemble d'avantages accordés au Brésil sous forme de transfert de savoir-faire, sous forme de mesures phytosanitaires, d'aide, etc., qui vont compenser le Brésil de par le comportement des États-Unis qui maintiennent leur Farmer Bill et donc les subventions aux cotonculteurs américains. Le principe, c'est que bon, la séance d'arbitrage a été réussie et le Brésil a convenu, a accepté l'offre d'arbitrage, l'offre américaine pendant la séance d'arbitrage. L'idée ici, c'est que les États-Unis compensent le déficit provoqué par les subventions de l'État américain à ses cotonculteurs, provoqué sur l'économie brésilienne. L'inconvénient, c'est qu'il ne compense que l'économie brésilienne, mais il ne compense pas les pertes des États tierces qui ont participé à la procédure devant l'ORD, devant l'organe d'appel. Troisièmement, les États-Unis n'ont toujours pas cessé les subventions. En attendant, ils continuent à compenser les pertes provoquées sur le marché, sur l'économie brésilienne, mais n'ont pas annulé la violation des accords de Marrakech sous forme de subventions. Ce qui fait perdurer les pertes comptabilisées sur le marché commercial du cotonculteur et surtout de par d'autres pays, notamment les pays africains, qui n'ont pas eu la capacité de se présenter comme partie plaignante. Donc, ça, c'est les mesures de compensation. Deuxième possibilité, c'est la suspension des concessions. Le mécanisme de règlement des différends de l'OMC, c'est un système exclusif qui interdit à un membre de se faire justice lui-même sans avoir expressément été autorisé par l'ORD. Je l'ai expliqué ici dans l'affaire Coton à Plante. Donc, le recours à des mesures de légitime défense commerciale doit donc respecter le cadre établi par le mémorandum d'accord. Dans l'hypothèse où les négociations pour parvenir à une compensation mutuellement acceptable auraient échoué, l'article 22 prévoit que la partie lésée peut demander à l'ORD l'autorisation de suspendre, à l'égard du membre incriminé, des concessions ou bien d'autres obligations. Cette demande doit être motivée et doit spécifier les concessions et les obligations qui seront suspendues. Mais à la différence des dispositions relatives aux compensations commerciales, le mémorandum d'accord prévoit que le niveau de ces mesures doit être équivalent à celui de l'annulation ou de la réduction des avantages de la partie lésée. Et l'ORD a le pouvoir d'apprécier ce niveau. Seule l'ORD peut apprécier ce niveau. En revanche, la partie lésée détient quant à elle le pouvoir de déterminer la nature des contre-mesures. Dans l'hypothèse où le membre concerné contesterait le niveau de suspension proposé ou invoquerait le non-respect des principes et procédures d'autorisation, il sera recouru à l'arbitrage. Et donc les concessions et autres obligations ne pouvant alors être suspendues pendant cette procédure. L'arbitrage impose de revenir au groupe spécial initial ou bien au directeur général de l'OMC en cas d'impossibilité pour le groupe spécial originel de se réunir
de nouveau pour apprécier le niveau des mesures proposées. En fait, ici, ce n'est que le niveau des mesures qui est examiné et non les mesures elles-mêmes. Dans cette séquence, nous continuerons d'étudier l'autorisation de l'ORT. L'article 22 prévoit que l'ORT autorise la suspension des concessions. Il autorise la suspension des concessions ou d'autres obligations dans un délai de 30 jours à compter de l'expiration du délai raisonnable pour l'exécution, à moins qu'il ne décide par consensus de rejeter la demande. Cette procédure d'autorisation, si elle reste dans les faits assez formelle, elle n'est pas, n'en est pas moins doublée d'un fort aspect symbolique. Elle vise en effet à empêcher toute tentative d'unilatéralisme de la part des membres de l'OMC. Vous imaginez le Brésil s'amusait à, de façon unilatérale, à établir des contre-mesures contre les États-Unis de façon indéterminée, démesurée. On risque de se retrouver dans des contradictions par rapport à l'esprit des accords de Marrakech. Le recours aux contre-mesures reste formellement réglementé et matériellement limité. L'article 22 du mémorandum d'accord énonce par exemple le principe selon lequel la partie plaignante doit chercher à suspendre les concessions dans le même secteur que celui pour lequel a été constatée une violation ou une autre annulation ou réduction d'avantages. Ne pourra que dans certaines conditions recourir au mécanisme de rétorsion croisée. Ce qui s'est passé dans l'affaire Coton à plainte. Le règlement des différends de l'OMC est donc très original, qui impose aux membres de respecter leurs engagements tout en instituant un mécanisme de secours, ce qu'on appelle le mécanisme de rétorsion unilatérale autorisée. Donc ici, la pratique, vous savez qu'au niveau du droit international public, c'est un droit qui est très prudent, très, très allergique aux contre-mesures. La possibilité de se faire justice soi-même est en effet l'apanage d'un système juridique décentralisé entre ordre et chaos, où il n'y a pas d'autorité supérieure susceptible de mettre en œuvre des sanctions. Et donc c'est précisément ce qui était, ce qui a été souhaité. Ce que souhaitait éviter justement la refonte du GATT, les négociateurs voulaient mettre fin aux sanctions unilatérales qui existaient dans le mécanisme du GATT. Et donc l'idée, c'était, dans la négociation des accords de Marrakech, mémorandum d'accord de Marrakech, l'idée, l'objectif, c'était de mettre en place une organisation internationale qui serait dotée d'un mécanisme centralisé de sanctions pour asseoir l'efficacité, la crédibilité du mécanisme. Donc les recours à des mesures unilatérales étaient censés être prohibés. Par contre, sur le terrain, les États vont retomber lors des négociations dans leur travers d'entités souveraines à des solutions médianes entre les mesures unilatérales autorisées qui ont été consacrées et celles l'autre versant. On a vu dans l'affaire Coton à plainte où les mesures du Brésil a utilisé le système des rétorsions croisées qui sont théoriquement qui sont censées ne pas être utilisé. C'est-à-dire, c'est un mécanisme qui consiste à suspendre des concessions dans un secteur autre que celui dans lequel a été constatée la violation par le membre incriminé. Ça, c'est des mesures un petit peu unilatérales, qui vont être autorisées dans le cas de l'affaire Coton à plainte comme dans d'autres, bon gré, mal gré, par le mécanisme, par l'ORT. Mais normalement,
ça va au contresens de l'esprit de la réforme de l'ORT, du GATT. Alors là, on se retrouve avec une contradiction. C'est le droit de l'OMC, dans notre cas de figure ici, qui autorise et légitime son non-respect par le recours aux contre-mesures. Ce n'est pas en fait, pour autant, en termes d'efficacité juridique, mais économique, qu'il convient de raisonner. En effet, ici, les objectifs du mécanisme s'inscrivent dans leur ensemble dans une logique plus économique que juridique. Dès lors, lorsqu'un membre ne respecte pas ses engagements, c'est au droit de se mettre premièrement en œuvre, en tentant de trancher le différend, de trouver une solution d'abord mutuellement acceptable et éventuellement recommandée par l'ORT. Mais à défaut de mise en œuvre de la solution, c'est la logique économique qui prend le relais de manière exceptionnelle. Il est alors possible, parfois de manière exceptionnelle, il est possible de rétablir l'équilibre des concessions et avantages réduits ou annulés par une action unilatérale autorisée. Alors justement, c'est ce qui est critiqué, parce que ce recours aux mesures unilatérales autorisées, c'est vrai qu'il paraît choquant, mais il constitue finalement une garantie supplémentaire pour restaurer cet équilibre rompu, et c'est uniquement dans ce sens qu'elles doivent être légitimées. C'est-à-dire qu'elles doivent en effet n'être accordées qu'à titre d'invitation concrète à modifier le plus rapidement possible la pratique incriminée. Le problème se pose, c'est quand la pratique incriminée n'est jamais modifiable et que les contre-mesures persistent, perdurent dans le temps. Normalement, ces contre-mesures, ce sont des contre-mesures uniquement d'appui, c'est une sorte de moyen de pression qui doivent de fait rester exceptionnels et temporaires. Le défaut, c'est que quand cette pratique perdure dans le temps. Alors, maintenant, pour conclure, je voudrais travailler avec vous le niveau la juridictionnalisation et juridisation de l'ORT. Je vous avais expliqué que l'ORT, c'est une structure qui n'a pas été. Qui n'est pas un tribunal, donc c'est un organe de règlement des différends qui opère par rapport, par recommandation d'experts, qui n'est pas produit sous forme de jugement, mais n'empêche que l'institution, l'institution du consensus négatif a fait que. Les recommandations, c'est qu'il va donner aux recommandations pratiquement une force juridique à partir du moment où pour que la recommandation, le fait que l'exigence en fait, que l'exigence du consensus négatif, c'est-à-dire que tous les États soient d'accord pour rejeter la recommandation, a donné quasiment une valeur pratiquement rehausser le niveau de la recommandation au niveau de la valeur d'un jugement. D'autre part, l'ORD, pour donner l'autorité, un petit peu la force à ces recommandations, autorise les États à utiliser ce qu'on appelle le système des contre-mesures pour mettre la pression sur. Ce sont des contre-mesures qui sont autorisées par l'ORD pour mettre la pression sur l'État. À restaurer l'équilibre commercial international et à cesser ces actions qui sont bannies par les traités de Marrakech, ces actions anti-commerciales. L'existence des parties tierces, effectivement, l'existence des parties tierces qui vont s'installer au niveau de l'ORT et qui. Je rappelle la partie sur qui doivent exprimer un intérêt substantiel.
certaines parties tierces vont participer à l'ORD uniquement parce qu'elles se projettent dans un règlement des différends ultérieurs, prochains, et que par mesure d'anticipation, elles vont se présenter comme partie tierce, susceptible, ayant la capacité d'orienter le différend, le règlement différend, dans un sens ou dans un autre. Partant du principe que les décisions, les recommandations d'un organe spécial sont profondément inspirants pour les organes spéciaux, pour les organes spéciaux ultérieurs, projetés, mobilisés pour d'autres affaires. Ça, c'est un aspect de juridicisation. Dans le texte, l'ORD ne développe pas de jurisprudence, mais techniquement parlant, chaque recommandation d'un ORD est une source d'inspiration et d'orientation pour les autres cas de règlement des différends, partant du principe qu'il faut créer une certaine lignée d'homogénéisation et d'harmonie. Voilà donc pour ce cas pratique, premier cas pratique, sur ce cas pratique concernant le règlement des différends relatif au non-respect, au manquement à l'un des engagements prévus par les accords de Marrakech de 1995. C'est un exemple typique de règlement des différends relatifs au non-respect des engagements d'un traité international. L'autre cas de figure, nous avons traité un cas de figure relatif au commerce international. Alors, l'exercice prochain que je voudrais que vous m'installiez sur la rubrique travaux, devoirs plutôt, chacun d'entre vous, de façon individuelle, va prendre au choix un différend qui a été réglé par l'ORD et va d'abord me faire un papier sur la procédure, alors toutes les phases de consultation, l'organe spécial qui sont passées en appel, etc. Le deuxième exercice autour de la même affaire, l'étudiant qui prendra cette affaire, il partira du même cas. Et dans un deuxième temps, il y aura un deuxième papier sur les conclusions, les contre-mesures s'il y en a eu, et après les contre-mesures, est-ce que par la suite, l'état visé par la recommandation, est-ce qu'il a cessé sans manquement au traité de Marrakech. Donc il y a trois étapes. Première étape, je répète dans l'exercice, c'est de déterminer les phases, tout ce qui est consultation, etc. Deuxième étape, c'est l'étape de la recommandation, s'il y a eu contre-mesure, si oui, donc de faire un papier sur les contre-mesures. Et la troisième étape, c'est de vérifier. Nous sommes en 2019. Est-ce qu'en 2019, pour la faire par exemple côté Aplante, est-ce qu'en 2019, les États-Unis ont cessé les subventions? Ou bien est-ce qu'ils continuent à compenser l'avantage annulé au Brésil? C'est un cas d'exemple. Vous prendrez d'autres cas sur lesquels vous allez vous projeter en termes d'analyse. Voilà, donc j'attends vos travaux et je vous en remercie.